Mad Media Agency. En sortant à la maison, tu as oublié ton habit à la maison ou c'est comme ça? Merde. Non, monsieur, je suis habillée. Je dis rien, madame. C'est ton mari qui est décédé l'autre jour. Nous étions à l'enterrement samedi, non? Oui, monsieur, vous étiez bien là. Bon, quand même, il y a Lyombo. Oulou, attends, c'est un beau pour tout ça. Monsieur, je n'entends rien de ce que vous dites. Ça fait deux semaines. L'entendre dans rien de ce que nous dites là. Nous ne sommes pas là. Je demande que. Oui, monsieur. Est-ce que c'est coutumièrement. Est-ce que coutumièrement ceci est autorisé? Mais monsieur, je suis en train de voyager. Raison pour laquelle je m'habille. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Tu voyages pour aller où? Deux jours après le décès de ton mari. Oh, à l'enterrement de ton mari. Monsieur, ma belle-mère n'est pas là. Et je n'ai que mon beau-père, lui, sort le matin, il rentre le soir. Je dois faire comment? Je retourne. Tu as fait le veuvage quand? Monsieur, je ne connais pas les choses de votre coutume. Tu as porté le noir de ton mari quand? À la morgue, l'autre jour, tu fumais la cigarette, non? Tu transformais tes narines en tuyau d'échappement, non? Tu as tué mon gars, tu transformes tes narines en chaud de chocolat en plein deuil de ton mari. Je t'avais donc, calme-toi. Tu pleures, tu coupes la bière. Monsieur Lucas et moi n'étaient pas mariés légalement. Je suis venu jouer mon rôle. Légalement, Je t'en veux que j'aille chercher le père là. Non, attends, regarde ma fille. La coutume ici voudrait que quand tu vis en concubinage avec quelqu'un, que vous avez des enfants, à sa mort, tu dois faire le veuvage. Et après sa mort, tu dois rester même une semaine au village. Tu es venu seulement le jeter. C'est toi qui l'as tué. Tu portais le noir. Tu oublies. C'est toi qui as tué ton mari. Comment vous dites les choses comme ça sur moi? Tu as porté son noir comme jusqu'à où tu ne sais pas, tu t'es informé, c'est toi que tu es en train de voyager. Tu voyages pour aller où? Oh. Bah, tu poursuis les biens qu'il a laissés à Yaoundé, non? Tu poursuis sa maison. En tout cas, c'est son beau-père qui a les papiers de maison. Monsieur, pour votre information, il avait une autre femme. Je ne suis pas sa seule femme. Donc, s'il vous plaît, ne m'agressez pas ici. Je ne connais pas les coutumes de votre village. Je ne sais pas ce qui se passe. Après quoi ou après qui. Moi, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein? J'ai pleuré mon mari. Et puis, je retourne. Tu es venu le jeter jusqu'à tu pars. Je ne l'ai pas jeté. Bon, oui, ok. Moi, je n'ai pas de problème. Je parle comme ça parce que je maîtrise la famille là. Comme tu voyages là, n'entre pas dans sa maison. Sinon, moi, en tant qu'autorité crânienne et crânologue, dans sa crânologie crânienne, normalement, reconnue, je veux te nuire. Tu n'entres pas chez lui. Est-ce que tu m'as compris? Attends, viens. Viens. Monsieur, va. Si c'est vraiment pour me nuire, là, alors, vous avez réussi. Alors, j'ai l'intention de m'en aller. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a à faire ou à ce... Souffre de l'écouter. Hein? La tradition ne permet pas comme ça. Où sont partis les coutumes de ce village? Appelle-moi son beau-père. Il est assis là, en face, il boit la bière. Appelle-moi son beau-père. Chance que vous connaissez qu'il est au moins en face en train de boire ses bières. Par contre, moi, depuis le matin, je ne l'ai pas vu à la maison. Quand je sors, c'est parce que la maison est complètement sec. Je l'ai aimé, moi, je l'ai aimé. Ne croyez pas que je suis une profiteuse qui vient, je ne sais pas, juste pour les biens. Il avait l'argent, je ne refuse pas. Mais je n'étais pas sa seule femme, pour votre information. Il y a quoi me créer les ennuis partout. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez l'habillement d'une veuve qui a perdu son mari. Quelle honte! Monsieur, Quelle honte! Je suis habillée. Quelle honte!
Madame, je veux vous dire quelque chose. Non, attendez, ton beau-père arrive d'abord. Non, papa, mon beau-père, il je tiens sous une jure en jure de l'air from Bangor. Bon, je ne sais pas. Voilà. Donc, quand on est au père voyage, tu es au fond d'eau. Où est-ce que tu es? Vraiment? Voilà. Mais ta vision de ce village sont. Tu n'as pas pitié de ton beau-père. Papa, tu n'étais pas là le matin. Mais tu devais faire comment? Le matin, comment? Tu parles comme ça que par derrière, tu vas sur le four de ton mari. Oh. Voilà. Ici au village, auparavant, nous ne connaissions pas ça. Quand un homme meurt, quand une femme perd son mari, elle doit faire le veuvage. Rester même en commun un mois au village pour dire que oui, tu l'aimais. Tu as compris? Elle n'a même pas fait demi-jour. Tu es sur son dos. Voilà. Tu comprends ce que le père dit? Papa, il a fait des mois à la mort. On est venu, on l'a gardé. Ça fait déjà une semaine et demie. Je suis restée, je suis repartie. Il n'y a personne, belle-mère n'est pas là. Qu'est-ce que devrais-je faire? Il fallait sur le tour de ton mari avant de. Bon, ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Tu vas rester avec ton beau-père même encore quelques jours. Tu comprends? Ne parle pas ma fille, tu comprends non? Ne parle pas, mais le genre d'habillement francantrofroc là, c'est, tu ne mets plus ça, tu comprends? Le genre d'habillement frambole là, tu ne mets plus ça. Papa, ce n'est même pas le français que vous parlez là-bas, j'ai compris. Pardon, j'ai compris. Oui, papa, Laurent Gomba, tu chausson. Laurent Gomba, tu chausson. Tu laves d'abord, tu fais le veuvage de ton mari. Les traditions d'aujourd'hui. Avant qu'on t'arme son traité. Je ne suis pas aujourd'hui comme plein là-haut. Hey. Voilà pourquoi parfois épouser même quelqu'un de ta région est même parfois bien. Même si on va dire que le racisme ou le tribalisme a fait ceci. Mais prends quelqu'un que par derrière, il peut te soucier. Il peut se soucier de tes enfants. Vraiment. Rappel. Quand il y a rien à manger, saute-moi même le truc, c'est une forme de salade de jungle. Je me prends au moins les dents avec moi. C'est cela seulement. Saute-moi même ça, je mange rien aussi normal. Tout ce qui t'intéresse dans la maison, c'est la nourriture. Le truc, c'est là, le porc même, ça ne suffit même pas pour le porc. Parce que tu peux ouvrir ta large bouche, tu mets ça dedans. C'est le porc qui a seulement l'opportunité de manger ça seul. Tu ne sais pas que ça fait fondre les graisses. Tu ne sais pas ça. Depuis que tu manges ça, ça t'a déjà donné quoi? Ton ventre ne fait que gonfler. C'est là gros comme le bidon. Gros comme le citerne. Trouve-moi à la maison. Il faut qu'on parle déjà sur ces photos d'où on a commencé le funérail là aujourd'hui. Trouve-moi là, on fait un bon plat. Il n'est pas plus dans les funérailles là. Quoi? Il n'est pas plus. Tu te prends trop sauvage dans cette maison. Tu ne pars pas pour funérailles, tu vas manger quoi? Je suis dans le ministère. Je travaille dans le ministère. Tu sais que ma journée a très mal commencé. Ne m'énerve pas surtout. Ne prends pas mon cœur, tu déposes au dos. Tu ne pars pour funérailles. Quelqu'un t'a énervé là-bas? On a mis fin au vol, on ne vole plus dans les funérailles. Tu as peur de quoi? Même si on te remarque dans ton funérailles, ton problème là c'est quoi? Quand je marche partout, on m'appelle seulement mamie funéraille. La fille qui mange dans tous les funérailles, tu crois que c'est facile? Le problème c'est quoi? Chacun a ses intérêts, chacun sait ce qu'il faut au funérailles chercher. Nous sommes là-bas pour la nourriture, 1,7 lait. On n'est pas là pour autre chose. Tu ne pars pas là-bas, tu vas manger quoi? Trouve-moi à la maison, on fait le plat. Même parce qu'on est parti au funérailles, on n'a rien eu. Je dis là, rien ne prouve que si on va partir, on aura même le porc. Wapé, ne me maudis pas. Si tu ne pars pas au funérailles, tu vas voir mon vrai visage. Tu as l'habitude de bavarder. Quoi, non. C'est ici là que je veux te montrer que je suis méchant. On ne joue pas avec la nourriture.
apparemment, il y a même plus suffisamment de plastique pour aller. Dépose le truc là, là-bas, on table à prier en bas. Ne te jambes pas papa comme ça. Tu sais, quand tu es très très bien habillé là, on croit que tu es venu avec le cadeau du père. Oh, si tu es mal habillé, on te confond de la joie, ça passe très rapidement. Non, lève-toi. C'est juste un petit prière. Dieu Tout-Puissant, si nous partons encore vers toi aujourd'hui, c'est pour que tu élargisses la main de toutes les femmes qui gèrent les réceptions des gens. Amen. Que toutes ces femmes-là aient un cœur sur la main. Qu'elles mettent en tête que si on ne partage pas la nourriture, ça va se gâter. Amen. Que Dieu bénisse les poches des enfants du Père qui est décédé là, afin que la nourriture inonde le quartier. Amen. Seigneur, purifie l'âme de tous ceux qui vont venir au-delà, qui ne sortent pas à la maison avec les plastiques. Amen. Oui, Seigneur, brise les pieds de tous les chiens qui passeront par là. Amen. Seigneur, anéantis l'esprit des voleurs, ceux qui mettent les pieds dans le sac là. Amen. Qu'ils ne puissent même pas trouver la pierre. Mm-hmm. Seigneur, ouvre-nous tous les temps qu'on nous reçoive aujourd'hui pour des siècles et des siècles. Amen. Prends les autres plastiques et les sables donc là. Même si c'est n'importe comment, on va laver là-bas à la rivière. Plus ça. C'est bon, je m'en mets même pas. Même si c'est l'obsession, ça peut me dégager la porte. La porte, elle est même que si le bandit vient, va porter sa mettre que de côté. Ah! Viens l'argent. On va. Ça ne te laisse pas seul. Sors, j'entre un peu, je frappe deux, tu ressors, non? Sors, je tape deux, tu entres encore, tu tapes deux. C'est entre nous, tu ne sais pas là où je suis. C'est l'igname blanc de l'autre jour. Ouais, ma, je comprends. Sors un peu quand même. Tu sais? C'est quelle façon de marcher ça? Oh. C'est quoi? J'ai mal aux fesses. C'est depuis quand? Depuis 5 jours comme ça. Merde. Quand je marche, ça fait mal ici, ça fait mal ici. Donc... Tu as les fortement. Un peu. Mais le reste, c'est dans les fesses même. Tu vois, quelque part dedans là-bas. Mais je ne t'ai pas déjà capoxé depuis quelques jours. Non? Et toi, toi, tu sais avec une autre personne. Non, tricher comment? Mais, moi, tu as fait combien de temps sans laver tes sous-vêtements? Ah, j'ai vu l'autre là-bas, c'était comme le bouton. Le milieu là, c'était un peu comme le gasoil qu'on avait sur le bouton. Ça peut être ça. Tu as les fortements, non? C'est le caleçon sale, dis donc. Prends tous tes caleçons dedans, tu laves. Je vais te dire ça combien de fois. Mais je lave souvent, non. Ah. Tu dors, quand tu rêves, c'est comment? Parfois, on vient me mettre quelque chose ici, là, ça me pousse. C'est les caleçons sales. Ça donne même la malchance, ça donne la poisse. Récupère tous tes caleçons. Bête à trempe, je vais te dire. N'enlève plus le caleçon, tu déposes. C'est comme si on mettait le gasoil au milieu. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai vu l'autre là-bas dedans, ça m'a effrayé. J'ai pris le bâton fouetté sur ça. Ça a fait un pape, les trucs ont décalé sur ça, tombé au sol. C'est pas bon. Toute femme qui ne nettoie pas ses sous-vêtements à ce qu'on appelle la malchance. Tout homme qui porte les sous-vêtements déchirés, tu as rendez-vous d'argent. On ne te paye pas. Voilà pourquoi même on s'est égaré hier quand on rentrait du deuil à Bouddha. Peut-être c'est les caleçons déchirés là qui ont même fait la sorte que même la nourriture nous refuse. Parce que ça porte, ça attire mal sens. Mais t'as lave ça, tu sais, Chango. Pour que ça soit propre. Tu comprends? Enlève le gazon là sur ça. Vous dites que les nôtres, quoi, tu me sens drôle. Les me sens drôle. Je n'ai pas la force de laver les caleçons. Je n'ai pas moi la force. Moi, je marche sans caleçon. C'est comment? Quand tu frottes les caleçons tout le temps, juste c'est propre, c'est facile. Tu te laves pas tes caleçons, tu quittes de chez moi. Parce que c'est ça qui m'apporte la malchance. Je ne lave pas, je ne porte non plus. Le sous-vêtement est sacré, c'est même spirituel. Tu ne sais pas ça. Et je suis obligée de porter. Je ne vais pas même brûler tout ça. On va perdre quelque chose.